Est-ce que tu maîtrises tous ces exposants? Eh bien, c'est ce qu'on va vérifier. Le premier, 5 exposants 2 ou 5 au carré. Ça veut dire 5 fois 5, c'est le nombre fois lui-même. Et 5 fois 5, ça fait 25. Ok. 5 puissance 1, eh bien, c'est juste 5 en fait. Exposant 1, c'est pareil que s'il n'y avait rien du tout. 5 puissance 0 est intéressant, j'ai même fait une vidéo pour le démontrer. En fait, exposant 0, ça veut dire 1. N'importe quel nombre puissance 0, il vaut 1. 5 puissance moins 1, les puissances négatives, ça retourne un peu le cerveau. En fait, ça ne veut pas dire que le nombre est négatif, ça veut dire qu'il est en bas, c'est l'inverse. Donc 5 exposant moins 1, c'est 1 cinquième, 1 sur 5. Donc est-ce que tu as compris le principe? 5 puissance moins 2, c'est que le nombre est en bas, mais qui est en bas? Eh bien, c'est le 5 au carré, donc ça fait 1 sur 5 au carré. Tu vois, le moins te dit que l'entité est en bas. Et maintenant, si on maîtrise, 1 sur 5 au carré, c'est 1 sur 25. Puissance 1 demi, c'est un de mes préférés parce qu'il est caché. Puissance 1 demi, en fait, ça veut dire racine carrée. C'est fou, non? Donc 5 exposant 1 demi, ça veut dire racine de 5. Et dernière, regarde, tu as le combo nombre négatif et 1 demi. Eh bien, celui-là, c'est le tien. Et je veux ta réponse en commentaire.